Voilà, j'ai fait un petit peu de jardin aujourd'hui. Je vous ai mis la photo avant, après. Donc j'ai passé une petite heure. Voilà, j'ai désherbé ici le petit coin fraisier. Niveau fraisier, ben, il n'y a plus grand-chose, hein. Mais mon voisin, ben, à un moment donné, m'a dit, mais bon, faut que je défais cela, les nettoyer, rebêcher le coin. J'ai des fleurs qui se sont mis à pousser dedans. Là, j'avais un arbre mort que j'avais planté, un arbuste que j'avais planté l'année dernière, qui était complètement mort. Ben, du coup, je l'ai enlevé. Là, j'ai du myosotis que je n'avais pas l'année dernière, qui a poussé. Bon, le myosotis, ça pousse comme du criot, hein, comme on dit par chez moi. Ça, c'est pareil. Je sais, ça doit être du souci, ça. Pareil, ça pousse comme. Comme à rien, mon rosier grimpant, ben ça va. L'eau va bien, le bas, bon, hein. Mon romarin fleurit. Il faudra que je coupe les branches mortes. Mais aujourd'hui, c'est bon, j'ai donné. Il faudra que je retourne ma pelouse. Enfin, ma pelouse, c'est pas de la pelouse, hein, c'est de l'herbe. J'ai pas de pelouse ici. Et j'ai commencé à désherber mon petit parterre de fleurs. Ah oui, et j'ai mis une bordure en bois parce que j'en ai marre que la pelouse vienne me pousser, enfin l'herbe vienne pousser dans mes fraisiers. Et j'ai commencé à désherber ici. Alors j'ai beaucoup de fleurs à bulbes, donc c'est. Et j'ai du blé qui pousse ici à cause du poulailler d'à côté. Bon, tout n'est pas défait encore, mais le plus gros est parti. Voilà. Et vous voyez, j'ai beaucoup de bulbes qui poussent. Et beaucoup se ressèment. Voilà. Voilà mes iris qui poussent tordus. Mais bon, pourquoi pas. Et ce qui pousse au milieu, c'est un arôme d'Italie. Donc ça va faire une seule fleur. Mais c'est très toxique, hein, ça. Il faut faire attention avec les animaux. J'en ai même un là-bas qui pousse dans mon cerisier. Japonais, vous voyez, hop. Ça c'est pareil, hein. Dès que vous en avez un dans le jardin, ça pousse partout. Mais il faut faire attention pour les enfants et pour les animaux, c'est hyper toxique. Voilà. Mon forticia, ça c'est le forticia que les chiens d'à côté m'avaient cassé, donc j'avais récupéré, je l'avais replanté. Bon, en fin de compte, ça va, il a bien repris. Bon, j'ai une branche qui ne veut pas rester avec ses copines. Je vais la rattacher pour qu'elle reste bien droite. Et ça, c'est le hou. Alors là, c'était à l'ancienne locataire, elle l'avait coupé à la base. Pour pas que nous on l'ait. Bon. Enfin, soit. Et voyez, il arrive en haut de la cabane. Donc voilà. La prochaine fois, je vous montrerai le reste. Parce que là, aujourd'hui, c'est bon. J'arrête pour aujourd'hui. Je suis fatiguée. Et là, mon petit rosier qui avait mouru et qui reprend cette année. Voilà. Et là, c'est mon. Ah oui, les fleurs, les feuilles rouges. Au cher. Je vous remets le nom en bas de la vidéo. C'est pareil. Ça fait 3 ans que je l'ai. Il a du mal. Mais là, cette année, je crois que ça y est, il va partir. Oh, pardon. Oui. Je crois que cette année, il va peut-être me faire ses fleurs. Et là, moi, j'ai beaucoup de. Ah, j'oublie toujours le nom de ces fleurs là. Pareil, je vous remets le nom en incrustation. Ça, j'en ai qui poussent partout. Voilà. Allez, je vous fais une vidéo. Je vous montre le reste du jardin. Vous voyez, il y a encore du boulot, mais bon, j'ai le temps. Ah, si, je vais vous montrer mes tulipes. Mon arbre, mon sol crevette qui commence à faire ses petites crevettes.
mon hortensia grimpant qui commence à... Bon, il n'a pas fait de fleurs l'année dernière, mais il est tout nouveau de l'année dernière. Hein. Et mes tulipes. Alors, c'est les tulipes qui, quand elles poussent, elles sont claires. Je regarderai si j'ai encore une photo. Je les avais prises en photo. Et en fin de floraison, elles deviennent rouges comme ça. Voilà. Elles changent de couleur. Et toutes mes petites clochettes bleues, j'en ai de plus en plus chaque année. Ça, j'aime bien cette fleur-là. Bon, ben, en fin de compte, je vais faire le tour. Mes framboisiers. Un peu à la sauvage. Je les coupe. Ils font, l'année dernière, ils n'ont pas fait de framboises. Donc, cette année, je ne les ai pas coupés. J'y en verra. Et là, il faut que je le nettoie. C'est le parterre que j'ai fait en fin de saison. Donc, l'année dernière, il m'a fait des fleurs, bien sûr. Mais bon, cette année, il m'en fera beaucoup plus. Mais là, il faut que je le nettoie. Comme ça, je ferai ça peut-être dans la semaine. Oups, ma rhubarbe me fait une fleur. Il va falloir que je la coupe. Ça fait deux ans, je crois que j'ai ma rhubarbe. J'ai pas encore eu vraiment de rhubarbe. Hein. Mes pivoines, ça y est. Oh, ça y est, elle est en bouton. Avec leurs copines, les fourmis. Les fourmis aiment bien les pivoines. Donc celle-là, c'est une rouge. C'est une blanche. Et celle-ci, c'est une rouge. Voilà. Et là, je ne sais plus leur nom. Ça fait une... tricolore, mais le nom exact, je ne me rappelle plus. Inspiré, tricolore. Ça va faire une haie. Taisez-vous. Voilà. Et ça, c'est des fleurs aussi. Voilà. J'avais une guêpe dans mes cheveux. Ça, c'est mon genêt. Vous voyez, j'ai du blé qui pousse. C'est chiant. Alors, ma lavande, cette année, ben, elle fait la gueule, ma lavande. Là, j'ai un rosier qui est fatigué. Hein. Enfin, je m'en occupe. Celui-là, ça va. Là, c'est pareil, vous voyez, il faut que je désherbe. La deuxième lavande, pareil. Oh, ils sont déjà fatigués, mais... Oh là là, ouais. Ils sont infestés de pucerons et de fourmis. Ils sont copains tous les... ensemble. Faut que je fais pchit-pchit. Ici, c'est des iris. Donc, ils sont tout nouveaux de l'année dernière. Donc, on va voir ce que ça donne cette année. C'est des iris... on voit plus le nom, ça s'est effacé. Ça, c'est un rosier grimpant qui était mort. Et là, bon, il a l'air de reprendre. Et ici, c'est des bulbes, mais je ne saurais plus vous dire. Ça fait un moment, mais c'est pareil, vous voyez, il faut que je désherbe. Et là, mes framboisiers. Mon cerisier. Qui me donne jamais beaucoup de cerises, on verra cette année. C'est parce que lui, il se fait envahir par les pucerons à chaque fois. Donc cette année, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et mon poirier. Je vous avais déjà montré tout ça. Donc voilà. Oh là là, ça y est, c'est la bagarre de tous les chiens. Oh, il y a un Terre-Neuve là-bas. J'adore les Terre-Neuves. Voilà. Allez, vous repartez avec moi, je rentre. Bon, il n'y a pas. Demain ou lundi, je vais tondre la pelouse. Et ça, c'est mon... Oh, ça y est, j'ai oublié. Bon, je vous mets tout en incrustation. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. À bientôt, bisous bisous.
Allez, je vous laisse avec mes petites clochettes bleues.